γιατρούς που έχουμε όλο. Όλο. Να μπουν και δύο άτομα που να συνοδεύσουν την ανθρωπιστική βοήθεια μέσα. Και δύο διερμηνείς. Χωρίς διερμηνία δεν γίνεται δουλειά. Τους διερμηνείς μετράτε στην αντιπροσωπεία. Οι διερμηνείς είναι απλά βοηθητικό. Λοιπόν, έχουμε 8 άτομα. Έχουμε διερμηνία. Εντάξει, ένα διερμηνία. Λοιπόν, τώρα. I think what we can see in a camp is the figure of the homo sacer, the figure of the naked life. He's taking this picture of the camp actually to show us that what is happening at the camp is happening everywhere in a society. The naked life is in everyone. And I think in that sense, what is happening in the camps is so essential for everyone. And I think you can approach this phenomenon from two sides. You can, at the one side, you can say, yeah, this shows us how deeply evil this kind of society is, and that we have to overcome it by a radical act of spontaneously saying, you know, coming back to the issue of how to conceptualize the political. But there's also another tendency within the social fabric, that there's also an imminent criterion, an imminent stop sign that we can hold on to in order to use that to make another move towards more equality, more democracy, and towards taking something like equality for real, to say, yeah, let's act as if democracy and equality and freedom actually was meant to be, and I think some people read Agamben as if, you know, we were on the edge of, you know, a constant Holocaust all the time, and I think that's misleading. What you see is that actually there are those two struggling tendencies, which you can see at institutions like the camps, and then you have to understand politically how to make use of this struggle of these two approaches. Qu'est-ce qui vous a fait s'intéresser à la biopolitique et qu'est-ce qu'il y a de différent que vous avez ajouté par rapport à Foucault ou à d'autres gens qui ont traité de ça? Bien sûr, la notion des biopolitiques et celle d'état d'exception, pour moi, sont liées. Et peut-être cela n'était pas chez Foucault. Et bien sûr, moi, je dirais bien sûr, la notion m'est venue de Foucault. Je lui dois ça entièrement. Mais en même temps, j'ai essayé de croiser les problèmes du biopolitique, c'est-à-dire du fait que la vie est devenue l'enjeu de la politique, que la vie biologique est devenue l'enjeu de la politique, avec les problèmes de la souveraineté, avec les problèmes strictement politiques de la souveraineté. Mais c'est aussi pour cela, quand même, qu'il m'a semblé qu'il était nécessaire de nouer les problèmes biopolitiques au problème de l'état d'exception, qui était devenu peut-être les paradigmes, vous direz peut-être en votre langue grecque si belle, les nomos de la modernité. Voilà, ce que j'essayais de montrer donc, dans mes recherches, c'est que l'état d'exception qui était à l'origine conçu comme une mesure provisoire destinée à faire face à une émergence temporaire, est devenu la forme normale, la technique normale des gouvernements. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la vie politique de nos sociétés dites démocratiques aujourd'hui si on ne se rend pas compte de ce que Benjamin avait déjà vu en 1940,
C'est-à-dire que l'état d'exception est devenu la règle. Bien sûr, cela avait commencé déjà avec les premières guerres mondiales, où des états d'exception avaient été liés quand même à un état de guerre. Donc c'était différent. Et on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, c'est-à-dire les régimes nazis, si on ne se souvient pas que Hitler, au moment de la prise du gouvernement du pouvoir en 1933, avait immédiatement proclamé un état d'exception qui n'a jamais été révoqué, donc qui a duré 12 ans. Donc le régime nazi est un état d'exception qui a duré 12 ans, et c'est cela qui explique ce qui s'est produit, donc comment ces choses ont pu se produire. Mais aujourd'hui, c'est encore différent. Je crois qu'on atteint aujourd'hui à un développement ultérieur de ces paradigmes, dans le sens que l'état d'exception se diffuse au niveau de la planète et donc n'a plus besoin d'être déclaré. C'est une situation normale et qui change tous les concepts de la politique, parce qu'une fois que l'état d'exception devient la règle, et les droits internationaux, les droits intérieurs changent complètement. Et là, par exemple, si on prend la notion de sécurité, la notion de sécurité dont on parle tellement aujourd'hui, et qui est presque le mot d'ordre des gouvernements occidentaux, est une notion qui vient de l'état d'exception, c'est les salut publics, la sécurité, tout ça. Mais là, Michel Foucault a très bien montré quelle est l'origine de ces notions, de cette notion. Et Foucault a montré que dans ses cours, que la notion de sécurité a été introduite dans la politique comme technique de gouvernement par les gouvernements physiocrates à la veille de la Révolution française. Quels étaient les problèmes de l'époque? Les problèmes de l'époque étaient les famines. Comment éviter que des famines se produisent? Et on n'y arrivait jamais. On amassait des céréales, mais on n'y arrivait jamais. Et les physiocrates ont eu cette idée, peut-être on peut dire géniale, on va arrêter d'essayer d'éviter les famines. On va laisser que les famines se produisent, mais après, on va être prêt, on va être en état de les gouverner, de les orienter, de les sécuriser dans une bonne direction. Or, il ne faut jamais oublier cela. Il y a encore des ingénus qui croient que les paradigmes de la sécurité visent à prévenir, par exemple, des actes de terrorisme. C'est absolument faux. L'idée, c'est plutôt, on va laisser que des catastrophes, des émergences se produisent, et même on va aider à que des émergences se produisent, parce que cela nous permettra d'intervenir dans ces émergences et de les gouverner dans le bon sens. Là, par exemple, la politique américaine depuis 20 ans, c'est clairement ça. C'est-à-dire, au contraire, elle ne va jamais éviter que des émergences, des études se produisent. Au contraire, on va faire que dans certaines régions, de l'émergence et du désordre se produit. Mais après, on va en profiter pour l'orienter dans une direction sûre. Donc, il ne faut pas croire que la sécurité... D'ailleurs, je me rappelle que quand, en 2001, à Gênes, en Italie, il y a eu des grands désordres au moment des G8, bon, après, il y a eu des graves incidents avec la police, et il y a eu une enquête des juges qui ont interrogé un chef de la police, qu'il était lui aussi fâché, et il a dit « Les gouvernements, aujourd'hui, ne veulent plus maintenir l'ordre, ils veulent gérer les désordres. » Là, il faut bien comprendre, aujourd'hui, les gouvernements ne visent pas à maintenir l'ordre, mais à gérer les désordres. Et les désordres sont toujours là, on les voit, la crise, les désordres, l'émergence, l'état de nécessité, sont évoqués à tout instant. Mais après, justement, il s'agit d'intervenir. Et c'est pour ça que quand on voit aujourd'hui des phénomènes très intéressants, d'abord ce qui s'est produit en Grèce, mais après ce qui s'est produit en Tunisie, en Égypte, c'est des choses évidemment très bonnes.
Mais il ne faut pas oublier que les pouvoirs qu'on a en face de cela, c'est un pouvoir qui savait que des émergences, des désordres peuvent se produire et qui vont donc chercher d'orienter, de gérer ces désordres dans une direction qu'ils estiment utile. Ça nous permet à lier cette idée de gérance avec la crise financière, surtout comme qui est née, les physiocrates, ça concernait l'économie, ce qu'on appelle l'économie. Donc cette crise financière est aussi comprise dans cette idée de gérer le résultat des émergences. Oui, tout à fait. D'abord, il ne faut jamais oublier les mots économie. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? En grec, comme vous savez, l'économie, c'était la gestion de la maison, l'administration de la maison. C'était une question de gestion des... En effet, dans un bon vocabulaire grec, anglais, vous trouverez economia égale management. Et donc l'économie, c'est toujours une question de gouvernement. Il s'agit de gouverner des biens, des hommes, des finances. Non, l'économie, c'est toujours une science du gouvernement. Il ne faut pas croire que c'est une science. C'est une science, mais qui est une technique de gouvernement. Là, par exemple, oui, on voit les mêmes paradigmes qui se produisent, la crise permanente. La crise permanente, c'est encore une forme de cela. Donc, il n'y a jamais des situations normales, il n'y a jamais des situations ordonnées, et peut-être une crise qui va se produire, qu'on va essayer d'éviter. La crise est devenue tellement interne au mécanisme qu'elle est toujours là. Et c'est exactement comme la sécurité, l'émergence, les dangers, il est toujours là et donc il fait partie de la machine. Donc on peut dire que dans les paradigmes gouvernementaux qui règlent aujourd'hui nos pays, nos sociétés, l'exception, l'émergence, les désordres, la crise, la sécurité, Il faut cesser de les croire comme des circonstances exceptionnelles. C'est, au contraire, les noyaux internes de la machine. C'est le mécanisme interne de la machine. It seems to me what's important about neoliberalism is that it doesn't manage directly. It manages from within the soul. That is to say, it makes each of us into specks of human capital who must appreciate their value in order to survive. And by appreciate, I mean increase their value in order to survive. And so the idea of being managed directly seems to me to refer much more to the immediate post-Fordist period, the 70s, the 80s, the 90s. And it seems to me we are entering a period, I see this in my students, perhaps this has more to do with the United States than some other places, they don't need to be told or managed directly in order to be extremely instrumental in relationship to their education, their futures, their choice of a mate, their idea about how to do things on a particular timeline. It's a very internalized set of norms about how to survive and thrive in a neoliberal fashion. So, to be sure, everything is managed, but I wonder if it's increasingly managed at the level of internalized norms rather than through the direct application of managers. But there's also another aspect of the managerial. It's the government's actual managing. Because governments, what they tell us now is, let us just manage the crisis. Let us just manage the economy. You worry about your own lives. There we have a different problem. So let me try to describe that problem. Absolutely. What we have here is a notion of supposedly democratic government that increasingly understands itself as a manager. A manager, but even more than a manager, I would say we call it the CEO version of government, which is the chief executive officer, the top of the pyramid in business. So what does that tell us? That we have a business model of politics, which Foucault again had a word for, governmentalization. It wasn't a very lovely word, but he was talking about the moment when the state is transformed from fundamentally a legislative and even administrative state
to a state on the business model. And what's important about that is, of course, it's a form of de-democratization. And when you have a managerial state, when you have a state that understands itself as the chief executive officer of the business of the nation, it models itself on business, and that means each of us is supposed to be doing our little particular tasks while the state takes care of politics. And that is the evacuation of democracy from a democratic state. And that is, to me, something I think that is happening in every Euro-Atlantic state. That is, every state that formally understands itself as a democracy is undergoing that form of de-democratization. Comment est-ce qu'on peut penser une stratégie, si on peut utiliser ce terme, de ceux qui sont soumis à ce pouvoir? Or, le pouvoir laisse les événements arriver et puis il gère. Donc, nous, du côté de l'événement, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette stratégie de pouvoir? Bien sûr, ce n'est pas moi de donner des recettes, mais ce que je voulais dire, ce que je dis avant, c'est quand même clair, dans le sens que si la situation est telle qu'on a dit, et donc il ne faut pas croire qu'on peut jouer clairement un pôle contre l'autre, je sais pas, le désordre contre l'ordre, la subversion contre le pouvoir, puisqu'on a en face un pouvoir qui prévoit déjà la crise, la subversion comme un élément de calculé, donc qui fait partie du calcul. Donc cela ne rend pas du tout impossible, je veux dire, sauf il faut être beaucoup plus attentif lorsqu'on élabore une stratégie, parce que donc la stratégie doit savoir qu'on a en face, d'habitude, ou surtout dans nos pays, un pouvoir qui, justement, sait gérer les désordres, et vise à gérer les désordres. Donc la stratégie est plus compliquée. Oui, ce n'est pas la loi abstraite et les règles abstraites, c'est la gestion Aujourd'hui, il est clair, le paradigme n'est plus la loi, c'est la gestion. La mesure, ça c'est un autre grand changement. Il ne faut pas croire que, bien sûr, la loi est toujours là, mais les pôles gestion, les pôles, donc à chaque instant on va voir, selon les problèmes, selon les situations, quel outil, quelle norme on va employer, quelle mesure on va employer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas la loi, mais plutôt la mesure. La mesure d'urgence, les décrets, la police, l'intervention. Mais cela dit, moi, je suis convaincu que la machine politique, et peut-être non seulement politique de notre culture, est toujours double. Elle a toujours une double polarité. Donc, quand je dis qu'aujourd'hui, ce n'est plus la loi qui domine, mais elle reste là. On n'est pas dans un régime, parce qu'autrement on n'aurait plus de droit, on n'aurait plus de loi. Non, c'est un paradigme double, sauf qu'il y a des pôles, donc des faces, loi, gestion, on pourrait dire dans la terminologie de Carl Schmitt, règne et gouvernement. Non, les rois règnent mais ne gouvernent pas. C'est une chose qu'on a beaucoup dit. On a toujours, ça c'est des choses très importantes, on a toujours cru, non, les gens qui se sont occupés des philosophies politiques ou des théories politiques, de Rousseau jusqu'à aujourd'hui, on a toujours pensé l'important, c'est les souverains, les côtés règne. Par exemple, les peuples, que c'est qui dans la démocratie est le souverain et qui légifère. Et après, il y a les gouvernements qu'on appelait pouvoir exécutif et qu'on croyait que c'était tout compte fait secondaire, ne fait qu'appliquer. Or ça, c'est complètement faux. On n'a pas compris que la machine est double et qu'aujourd'hui, au contraire, c'est le pôle gouvernement exécutif qui domine sur l'autre. L'autre est là, mais n'est fait qu'est ratifié. Là, on voit très bien les parlements. Par exemple, en Italie, c'est clair, mais je crois que c'est partout comme ça. Les gouvernements, les parlements, aujourd'hui, ne font plus que ratifier des décrets d'urgence pris par le gouvernement, qui sont transformés en loi, on dit. Donc, mais là, on voit bien, c'est l'exécutif qui légifère. Mais ça, c'est une chose qu'on ne dit pas. Tout le monde le sait. Là, n'importe quel juriste sait parfaitement que c'est comme ça. Mais on fait semblant qu'il y a toujours le pouvoir souverain, le peuple souverain, et l'exécutif ne fait qu'exécuter la volonté du peuple. C'est exactement le contraire. Les représentants du peuple ne font qu'exécuter la volonté de l'exécutif. Mais c'est la fiction de la souveraineté qui... Mais l'épaule reste double, ce que je voulais dire. Donc,
Donc il n'est pas facile, donc il ne faut pas croire, face à la situation de l'état d'exception dont on parlait, il ne faut pas croire qu'on puisse revenir en arrière du côté du droit. Bon, là il y a eu cette perversion, là on va rétablir la loi, le règne de la loi et la norme, et régler les problèmes. Je ne crois pas que ce soit possible, parce qu'on oublie que non, que la machine était double, qu'un côté n'était pas sans l'autre. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse revenir de l'état d'exception à un état de droit. Parce que l'état de droit prévoyait l'exception comme noyau ultime. Et là, on le voit très clairement, là, quand je parlais de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, tout a été rendu possible par le fait que la constitution démocratique de Weimar comportait un article, l'article 48, qui prévoyait que le président du Reich pouvait suspendre la Constitution, certains articles de la Constitution, dans un cas d'urgence, etc. Et donc là, on voit bien, le mécanisme est là. Donc je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière. Il faudra essayer d'agir sur les épaules. Il faut désactiver la machine, pas jouer un pôle contre l'autre. Et on ne peut pas revenir à quelque chose de connu, de sûr. Il faut inventer peut-être quelque chose de nouveau. Si, je ne crois pas que là, c'est presque un siècle que cela dure, parce que c'est commencé avec les guerres mondiales et tout ça. Je vois mal aujourd'hui croire qu'on puisse... Ah, mais l'état des droits est toujours là, on va revenir à une constitution saine. Ça ne se produit jamais. Il faut, je crois, un tiers. Si la machine est double, il faut un tiers. Mais là, je crois que c'est partout dans notre... Ce n'est pas simplement la politique, c'est même la culture, la philosophie de l'Occident marche toujours par dichotomie. Même dans l'ontologie, il y a sens-existence. En politique, il y a règne, gouvernement, règle, exception, pouvoir constituant, pouvoir constitué. C'est toujours des couples. Et ce qui arrive, c'est que des gens vont essayer de jouer. Quand il y a un pôle qui devient tyrannique, on va s'appuyer sur l'autre pour le jouer contre l'autre. Tactiquement, ça peut être très utile, mais stratégiquement, à la fin, c'est stérile. Hein, parce que ce qu'il faut faire, c'est désactiver la machine sur les épaules et voir si un tiers, quelque chose d'autre va apparaître. Se dégage dans cette suspension. In Europe, you need something else, because you have formal democracy. So the task in Europe is a different one and a very difficult one, because slowly people have to start calling into question capitalism. That's not on the agenda in the Arab countries. A democratic revolution that would remain democratic would be an enormous difference in the Arab world. In Europe, who are you going to? You don't overthrow a dictator. With Franco, yes. With the junta in Greece, yes. But now it's a very different situation. And I think it's extremely complicated, and to be honest, I don't think any of us really have the answers for that. We can criticize the German banks. We can criticize Wall Street. But none of this is an answer. None of us really points in the direction of what a real progressive revolution would look like. So I think there are problems. But it's something that perhaps we will find out in the course of movements. And to see how they're reacted against, it not only creates new imaginaries, but it also begins to see what can and should be changed and what cannot be changed without further change. Does that make sense? Yeah, of course. It reminds me what they say, that in Europe, not only in Europe, but I think in the US too, it's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. So that's our problem. You could say today in Europe, nobody can imagine the end of capitalism, not even the left. No, it's so true. Why is that? I think there are several reasons. One is, for the Orthodox left,
the Soviet Union stopped being a model a long time ago, and then it collapsed. China isn't a model, certainly for the left. It's a model for business, but not for the left. Business communism. Well, it's not. It's state capitalism. There are no models. That isn't necessarily bad. What makes it much more difficult is that the classic working class movements aren't what they once were. And it's not only an ideological question. It's not because they don't have the right consciousness. It's because the nature of work is changing. And that has confronted the left for 30 years with a problem that the left hasn't solved. How do you deal with a post-proletarian socialist movement? And it seems to me that that is what is on the agenda. Laszlo, je vais déjeuner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lier cette très intéressante à la politique, au concret des gens qui nous regardent? Donc le désœuvrement, la désactivation, tout ça, comment est-ce qu'on peut en servir? Oui, là, par exemple, c'est une chose très précise. Je crois qu'une des graves limites de la tradition de la gauche et du mouvement ouvrier, c'était de partager avec son ennemi, le capitalisme, certains concepts fondamentaux, comme par exemple le concept de travail, de productivité. Il m'est arrivé souvent de discuter avec des amis, je ne fais pas de nom, qui, bien que se posant un adversaire ennemi du capital, quand même garde ces concepts fondamentaux. Oui, mais l'essentiel, c'est la notion de travail, la notion de productivité, de coopération et tout ça. Voilà, moi je pense que ça, c'était une limite. Et il faut par contre, là aussi, rendre sa place à la notion de désœuvrement, qui ne veut pas dire, ben bon, vous savez, il y a toute une tradition de la gauche, l'éloge des loisivités, tout ça. La fac. Oui, bon, ça c'est bon, mais c'est, j'entends pas cela. Parce que pour moi, ce n'est pas ne rien faire, c'est une forme de praxis. C'est une forme de praxis qui fasse chaque fois aux dispositifs qui peuvent être juridiques, économiques, religieux, philosophiques, c'est une praxis qui va les rendre, les désœuvrer au sens étymologique, les rendre inopérants, les désactiver. Et c'est seulement à ce moment-là qu'une une autre chose sera possible. Mais si on ne fait pas cela, on reste pris dans le même courant, il me semble. Donc cette notion de désœuvrement, à mon avis, on peut la généraliser. Et donc, quand je fais l'exemple du poème, je voulais dire l'art n'est qu'une forme, c'est une activité qui va désœuvrer, qui va désactiver le langage, le geste et tout ça. Mais la politique, c'est la même chose. C'est quelque chose qui va rendre possible un autre usage des corps, une autre économie des corps. Mais si on garde le concept central du capitalisme tel que travail et productivité, il ne me semble pas qu'on puisse jamais en sortir. Donc moi, je vois vraiment dans cela une catégorie générale. Et n'oubliant jamais que c'est une praxis. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Oui, parfois, ça peut être utile de ne rien faire, bien sûr, mais ce n'est pas cela. Parce que cela implique une activité, un faire. Ce n'est pas simple de faire un dispositif, de les désactiver. Je pense, par exemple, que ça peut être une raison pour laquelle, en pensant, par exemple, les sans-papiers, les migrants, actuellement en Grèce, il y a une lutte des sans-papiers et la gauche, sans doute, montre sa solidarité, mais c'est sur la base qu'ils sont des ouvriers. Ce sont les ouvriers, donc ouvriers grecs et immigrés sont des frères, tout ça.
Mais apparemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut peut-être inventer un désœuvrement, une autre liaison peut-être. Donc, les sans-papiers qui sont peut-être une forme de homo sacer eux aussi, ne se reconnaissent pas à l'interpellation, comme dirait Althusser peut-être, de l'ouvrier. Donc, il y a vraiment un vide là, dans cette politique de la gauche et du mouvement de solidarité. Est-ce qu'on peut dégager une idée des événements, ce qui concerne les migrants, les sans-papiers, ceux qui sont sans? Bon, là, il y a aussi un problème qu'il ne faut pas croire qu'on peut résoudre un problème, que le problème soit l'assomption d'une autre identité. C'est-à-dire, bien, les sans-papiers, par exemple, doit devenir un ouvrier avec papier. Bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas ça, ça c'est évident. Mais est-ce que dans la situation réelle, c'est vraiment ça le cœur du problème, non? Il ne s'agit pas d'acquérir une identité qui inscrit après le corps de cet homme dans cette structure dont on parle. Donc là aussi, les revendications sont importants tactiquement, mais si ça devient comme c'est devenu une stratégie, c'est-à-dire qu'on évise qu'à ça, qu'on évise qu'à acquérir des... Alors je préfère que, au contraire, que tout le monde... Je préfère l'idée que tout le monde est sans papier. Donc plutôt nous sommes tous des sans-papiers, comme on l'a dit, qu'il faut que l'ouvrier ait ses papiers. Badiou insiste sur la qualité d'ouvrier, parce qu'il insiste qu'on a oublié le mot ouvrier. Dans le passé, on les appelait des ouvriers immigrés, tout ça. Maintenant, il n'y a que le mot sans-papier, ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, vous êtes plutôt... Non, là, il faut comprendre tout à fait. Là, c'est un grand problème de la tradition marxiste. Et tout vient du concept du prolétaire, c'est-à-dire quelle qualité de classe, qualité de... Pour Marx, l'idée du prolétaire, c'était que c'était une, non pas une classe spéciale, mais une non-classe qui allait subvertir et éliminer toutes les classes. Et là, je crois que Benjamin avait tout à fait raison, il y a vraiment un motif messianique. Là, Benjamin dit, ces idées de Marx sont une sécularisation de l'idée messianique chrétienne. Non? Il avait tout à fait raison, dans le sens que... vous savez que les mots « classe » viennent de la vocation chez Paul, « klesis », c'est-à-dire l'appel. Hein? Les apôtres ont reçu un appel, il faut répondre à cet appel. Donc il y a un contenu messianique dans cette idée de Beruf. Mais voilà, ce que je voulais dire, donc c'est un problème réel. Les prolétaires chez Marx, si on les lit vraiment bien, ne peut pas acquérir une identité. On ne peut pas identifier, comme il s'est passé dans l'histoire, et, bon, c'était peut-être nécessaire, les prolétaires avec l'ouvrier. Le prolétaire n'est pas l'ouvrier. Le prolétaire est une figure métaphysique presque. Et quelqu'un qui n'est pas identifiable et grâce à son manque d'identité va subvertir et éliminer toutes les classes. Mais si le prolétaire acquiert lui-même une identité de classe et va devenir la classe ouvrière, ça peut pas, et ça c'était, on l'a vu, l'ouvrier à un certain moment a perdu sa fonction de prolétaire, c'est-à-dire, on le voit très bien aujourd'hui, il est intégré dans le système capitaliste et il ne veut pas changer ce système aujourd'hui. Mais là, il ne faut pas oublier, ce n'est pas la faute de Marx, c'est que les prolétaires ne peuvent pas, c'est une opérateur... métaphysique, ce n'est pas une identité, on peut dire le prolétaire c'est celui-là. Tout le monde peut être prolétaire et personne ne l'est. Mais si on identifie les prolétaires avec l'ouvrier, comme probablement, suivant la tradition léniniste, fait Badiou, eh bien alors on doit garder ces concepts à tout prix. It is interesting to see
that this sort of shift has happened. I mean, I talked earlier about the shift from the guest workers to the Muslims. On a smaller scale, this is true for the political left, who formerly talked about the workers, now talks about the women, the colonized, the post-colonial subject, the sans-papiers, etc. And it shows that that the political has, in a way, that the political is now conceptualized around the concept of exclusion, of not being part of something, and of inequality. Not so much on exploitation and of power, actually. The worker was also addressed as the one who was in control of production, the workers who would actually make our lives, those who were exploited but haven't control about the product they were producing. This was also part of that figure of the worker. And what I would criticize on this shift from worker to sans-papier, and we know Alain Badiou has strongly criticized this shift because he's sort of sensing what is missing now in those concepts around sans-papier. But I think we can, like, it's not going to be easy to reformulate on this level what was formulated with a figure as a worker. But I think we have to, what we have to do is now to think of the sans-papier not as the one who is excluded and who's like standing at the edge of our society, because when we do this, we're gonna have a humanistic approach, and where you basically victimize those people who are crossing borders, people who have managed to come like thousands of kilometers over the half of the planet and managed to live their lives illegally in a society like this. And we've criticized this, what we call victimization, because you put people in a situation where you act as if they were not subjects, as if they were not people who take control of their lives. But this is not all of it. I think, and I think people like Etienne Balibar got it right, actually, when they really realized that what the struggle of the sans-papier was showing is that, and also all of those struggles around gender issues and other issues, is not that we are talking about people who are excluded and who we have to integrate in a society, but who pose the question of where is our social fabric created at this moment? Where is the realm of production actually? Where is society produced? What those people do when they struggle for rights, when they say we want to become citizens because we are already citizens, then you can see that a struggle around the border, the struggle around papers, is not about, you know, integrating those who are at the edge of society, but these people show what the limits of this society are and where this society draws limits in order to maintain a certain mode of production and a certain mode of governance. So society, to understand its limits and maybe to overcome them, should be aware, would you say, of its outcasts? And when I say outcasts, I think that the image of the outcast, mm-hmm. of today's sovereign states, especially in Europe, I have in mind in Greece, is the one in a border camp, mm-hmm. in a gray zone. Yeah. You could say this is the homo sucker mm-hmm. of today. Yeah. What about these camps? Maybe this is the sans-papiers are probably theoretically going to be replaced by the inhabitants of those camps. And if you talk to people who are recently came to Europe over the Mediterranean, who go through the camps, and we always have to keep in mind they go through the camps,
If you look empirically at what happens at all of these camps, and what, that's what we did in our research over the last years, what you see is that it's always transitorial spaces, and that in a way you can look at those people from the perspective of emergency state, of how there are created spaces of emergency, of legal loopholes, of spaces of unlawfulness, and we have to understand, you know, how is it possible that there is an agency like Frontex dealing with these issues of border control, who's actually like a private company, who's actually not a legal institution of the European Union. Why is that the case? We have to understand why is Europe actually has to, as a legal framework, why Europe has to create these bizarre institutions at the border of its own legal framework. Alto, goddammit! Draw lines of solidarity between those groups of people. Well, it would help if, for example, let's say America, there are millions and millions of Mexican illegal immigrants. Liberals just want to say they should continue to come, although it's very bad for the African-American community. Conservatives just want to shoot them, put up walls. The question is, why are there so many immigrants? What's going on in Mexico that these people can't live? Because they're not coming to America because they love being cold. Chicago is now 30% Mexican. So what is going on in Mexico that is dispossessing people and forcing them to be immigrants? Is there anything that a solidarity movement could do that would address immigration as part of the condition of rural populations in what used to be called the Third World? And it's not just immigration to the north. It's also to the cities. 100 years ago, the two cities in the world that exploded were Chicago and Berlin. Both of them were working class cities. They doubled every 10 years in their size. Mexico City, Lagos, Sao Paulo are not proletarian cities, and they can't be. You 25 million people who have been dispossessed. So there has to be the beginning, I think, of a global initiative that at least tries to understand what the migration is about, rather than accepting the fact of the migration and then deciding, is it human rights or is it controlling your borders? That's a step too late. So the first step is understanding migration. By understanding it, we can change what's happening today. Maybe. Xenophobia, neo-racism. You see the situation, what is going on in this country? What is going on? I'm 5 years living here. Now I'm like an animal from here. Get the hell away from here. Get out. Get away. The battle for Attica Square is over for tonight. The politics can't begin once people are on the boats in the Mediterranean. It has to begin to understand why are they on the boats? Not just pushing them back, but what are the conditions that is making this mass migration? Because this managerial state, your analysis, is weakly sovereign.
Mm-hmm. It's losing the sovereignty. Mm-hmm. So it builds walls. Mm-hmm. And in a kind of showing off of some certain strength or power, and then inside the walls are these subjects. De-democratized subjects yeah. who are living in their fears of the outside and all that. So how can we ever see a potential space in mode for politics and all that? Okay, first, let me just again amplify your question a little bit. You did a beautiful summary of my last book. Thank you. it's called, Walled States, Waning Sovereignty, and the argument there, as you just suggested, is that the number of states that are currently building walls at or near their sovereign borders has to be read not as a sign of sovereignty, but a sign of its weakening, the increasing inability of states to actually exercise the classic attributes or principles of sovereignty, and instead resort to blockading and policing territory, and also more generally blockading and policing where presumably sovereignty means the rule of law and order can reign. And so the way in this book that I read the proliferation of walling around lots of different states in the world. You have a new one in Greece. Yes, I gather. You have a new one in Greece. Congratulations. probably every month there's a new wall somewhere. There are now a few new walls around Damascus. There's yet another new wall in India. We, of course, have the whole discussion about the Turkish-EU wall, et cetera. So the argument that I make is not only is this a walling that is ineffective, it largely doesn't stop what it ostensibly aims to stop, but instead is simply performing a kind of sovereignty that no longer exists, but it's also creating a certain imaginary within. And by that I mean it's creating an understanding of what's contained by the wall as a homogeneous we, a purified we, a nation that is intact, protected, contained, but also has nothing to do with the other, with the outside that is imagined to be pushing inward. Now, in the case of the United States, that's just a pure reversal of what's happening, because what the United States is actually doing is sucking labor, very cheap, unprotected, undocumented labor in to sustain its tottering economy, sucking drugs in. Drugs are always driven at the level of economy by demand, not by supply, and creating bigger and bigger smuggling industries in human and drug traffic at the border by walling. And yet the wall produces a fantasy that we are the pure and the good and the true, and that all these invaders are trying to come in through every port. And the wall does a beautiful job of theatricalizing that idea that we have to wall out all the dangers and all the bad and all the people who want what we have but won't pay the proper price or abide by the law or will bring drugs and crime and so forth in. And so walls create they're driven by a certain xenophobic and projectionist mentality, but they also reinforce it. And so your question always, this is always your question, is what can be done? And I think it's really important at the level of walling to make clear how what utter failures the walls are, how absolutely ineffective they are in doing what they are doing, so that we can, doing what they are built to do, so that we can begin to make clear what effect they're actually having. That is to say, so we can make clear that they're actually producing a nationalist imaginary that is at odds with the highly interdependent transnational order that we live in now. Might I illustrate this? Yeah. Because I asked, where could we imagine a potential space and mode for politics? This
this side of the wall or the other side Both of sides. The wall? Both sides. On the wall. Yes, and you see this so clearly in the U.S.-Mexico wall, but also in Palestine, another wall, slightly different in what's driving it. But in the U.S.-Mexico wall, what you see on both sides, first of all, is quite vivid political art. And so I mean literally on both sides of the wall. On the U.S. side of the wall, those who are resisting the wall have been building art. Caskets to document the number of immigrants who die as a result of the more difficult crossings they're forced to make. They still come. They're just forced to go through the mountains and the deserts. Building, and they've also been doing other kinds of artwork. The same on the other side. There are also all kinds of protests and forms of political engagement with walling on both sides that link the two sides. And one place that's happening in particular in the U.S. is where the wall literally goes right through a university. Half of it is on one side of the wall and half of it is on the other. And there have been a number of political groups at and around that university in Texas that have made alliance with one another and attempted to build an internationalism in their politics of resistance to the wall and radiate that internationalism out from that spot. Είδαμε την εικόνα τώρα, πώς άσχημα τα πράγματα, συγκρίνουμε με από μερικά πράγματα, εντυπωσιάστηκαμε από μερικές αναλύσεις. Το θέμα είναι όμως, τι κάνουμε από εδώ και πέρα για να λύσουμε το πρόβλημα. Ξεκινήσαμε λοιπόν πριν ένα χρόνο να πηγαίνουμε στους καταβλισμούς, μετά από ένα συμβάν που συνέβη και μας ταρακούνησε όλους ο θάνατος του Αριβάν Οσμάν, του Κούρδου από το Ιράκ, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τους λιμενικούς της Ιδουμενίτσας μέχρι θανάτου. Παρόλο που ξέραμε και βλέπαμε ότι την τελευταία δεκαετία πάντα υπήρχαν μετανάστες στην Ιδουμενίτσα, απλώς δεν ήταν τόσο έντονη η κατάσταση γιατί είχαν εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι και μέσα σε ένα δίμηνο-τρίμηνο περνούσαν. Βλέποντας λοιπόν αυτό το γεγονός με τον Αριβάν Οσμάν, οργανωθήκαν κάποια άτομα, αρχίσαμε να πηγαίνουμε στους καταβλισμούς, να βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις, να απαντάμε με την έμπρακτη αλληλεγγύη. Στην αρχή η τοπική κοινωνία ήταν θετική, προσπαθούσε να βοηθήσει. Μετά από κάποιο διάστημα όμως, δυστυχώς και με όλα αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν τώρα και με τον Δούνο του, ο κόσμος ζορίζεται γιατί έχουμε στη Θεσπρωτεία πλέον και κόσμο Έλληνες πολίτες που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ζητάνε συσίτιο. Άρχιζε αυτό το κλίμα κάπως να αντιστρέφεται, ενώ ήταν στην αρχή επιφυλακτικό, προς το θετικό λίγο κάπως καλύτερο, οι καημένοι άνθρωποι την τραβάνε και μπράβο σας αυτό που κάνετε. Από τον Αύγουστο μετά άρχισαν ξαφνικά να κλείνουν τα σούπερ μάρκετ τις πόρτες, οι μετανάστες δεν μπορούσαν ούτε πια να πάνε να αγοράσουν τα άκρως απαραίτητα. Εμφανίστηκε ξαφνικά ο πυρήνας Χρυσής Αυγής Θεσπρωτείας, ο οποίος δημιούργησε διάφορα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι να είναι αόρατοι, ανύπαρκτοι, να μην έχουν κανένα δικαίωμα, να πηγαίνουν στα αζήτητα, να τους χάνει τα σύνορα προς την Αλβανία και να μην ξέρεις που βρίσκονται και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω κάτι που μου είπε ένας φίλος μου μετανάστης, σήμερα λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι για εδώ, γιατί συνήθως τους ενημερώνω όταν φεύγω από την Ιγουμενίτσα και τους είπα, παιδιά, έχει πάρα πολύ κρύο, είπα στον Αχμέτ Πεχσάιτ, λοιπόν, έχει πάρα πολύ κρύο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα καλέσετε το 166 και ας κάνει το αστροφόρο μισή ώρα να φτάσει πολλές φορές. Γυρίζει και μου λέει, doctor μου λέει, don't worry, we are all already dead. We are waiting for you. One or two days more, it's no problem for us. Ελευθερία, ρε! Freedom!
Je n'attends plus de toi. Une caresse. Je veux te voir. Mon amour. Trouve-moi un nom qui m'arrache à la terre. Tu es à moi, tout entier. Anna! Jusqu'au jour merveilleux. Parle-moi.